Fès tournait alors encore le dos au monde. Cela faisait plus de 40 ans maintenant que le Maroc était sous le protectorat français et la vieille aristocratie fassie qui tenait la ville maintenait son autorité avec un calme et une sérénité remarquables. Ce qui se passait en dehors de la Médina ne la concernait pas. Pour eux, le monde s'arrêtait là, dans ces ruelles, dans ces vieilles maisons, dont certaines étaient des palais, attendant l'éternel retour de la saison des citronniers. Les artisans faisaient de l'artisanat, les commerçants commerçaient, les seigneurs se déplaçaient à cheval dans les rues étroites et n'avaient aucun doute sur leur supériorité de classe. C'était eux d'ailleurs qui, au XIXe siècle, avaient choisi la petite place ronde entre Achamine et Chemaïn au fin fond de la Médina pour instaurer un jeudi par mois un marché où l'on vendait des esclaves noirs ramenés d'Afrique. L'esclavage était naturel, il sévissait partout dans le monde et les fascis n'étaient pas disposés à changer quoi que ce fût dans l'ordre injuste du monde. Ils se contentaient de vivre selon les traditions et pensaient qu'ils avaient le devoir de les perpétuer et de les protéger. Les premiers esclaves étaient arrivés au Maroc grâce au commerce que les fascis les plus entreprenants faisaient avec les pays d'Afrique les plus proches, même s'ils partageaient le même continent. Loin d'eux l'idée de se considérer comme des Africains, les fascis étaient blancs, donc supérieurs aux noirs, d'où qu'ils viennent. À Fès, à la veille de l'indépendance du pays, rien ne devait changer. Rien ne pouvait changer. Les Français observaient cela de loin. Une chape de laine et de coton était posée sur la ville. Pourtant, tant d'histoires et de secrets s'étaient scellés là pour les dire, les dévoiler, les expulser hors de cette société satisfaite d'elle-même, de ses origines, de ses traditions, de sa culture. Se confondait avec les valeurs de l'islam. De nombreux juifs et musulmans chassés d'Andalousie par Isabelle la catholique avaient pourtant trouvé refuge à Fès et avaient assuré la richesse de la ville, son renouveau et son originalité. On pouvait, paraît-il, s'y convertir sans même changer de nom. Mais cette époque paraissait révolue. Pour approvisionner son commerce en épices et en produits rares, Amir se rendait tous les jours au Sénégal et quittait Fès pendant de longs mois. Là-bas, son père et son grand-père, qui faisaient ce commerce avant lui, avaient l'habitude de prendre femme pour la durée de leur séjour. Amir, qui aimait respecter les règles et se serait reproché de faire là quelque chose d'interdit par la religion, avait consulté sur la question Moulay Ahmad, le grand professeur de théologie à l'université Al-Qaraoui, et lui avait demandé si le mariage du plaisir, comme on le nommait, n'était pas un péché, un acte qui contrarierait sa foi et blesserait son épouse. Amir avait en vérité sur la question quelques scrupules. Moulay Ahmad le rassura. Il lui cita le verset 24 de la sourate, les femmes. Il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez consommé le mariage. Autrement dit, il est légal pour un homme absent de son foyer pour de longues périodes de contracter un mariage de plaisir, de jouissance, de bien-être, qui garantit à la femme une dot et le respect de celui qui l'a épousée. Et Dieu a institué cela pour lutter contre la prostitution. Il est vrai que le mariage de plaisir, contracté hors du foyer conjugal pour une période donnée, a un parfum d'intérêt. Qu'il peut exciter les bas instincts, il ne doit cependant en aucun cas être compris comme un encouragement à humilier la femme légitime, laissée à la maison, ou maltraiter celle avec laquelle vous consommez un mariage pour quelque temps.
cette notion de plaisir est liée à la brièveté de la relation. L'autre mariage, installé dans le temps et pour la procréation, n'évacue pas le plaisir. Il le dilue. On dit que notre prophète bien-aimé aurait contracté un mariage de plaisir. Mais que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, a proscrit cette version avant de mourir. En fait, c'est un des points de divergence avec les chiites qui l'autorisent et les sunnites qui s'en méfient. Mais de nombreuses discussions ont eu lieu entre les théologiens sunnites sur le sujet et Al-Shafi, par exemple, a validé ce mariage à partir du moment où les intentions des conjoints sont claires et que sa durée est bien limitée dans le temps. C'est pourquoi cette pratique se perpétue aujourd'hui encore, l'essentiel étant de rester dans les limites de la décence et du respect de la femme. Amir, rassuré et apaisé, contracta dès lors à chacun de ses voyages en Afrique un mariage de plaisir pour se mettre à l'abri du péché. S'installait dans la maison qu'il lui avait fait construire et vivait avec elle, en seigneur, satisfait et ému. Par bonheur, il n'avait pas eu d'enfant. Pour lui, Nabou était une magicienne, un peu sorcière, et surtout d'une grande beauté et sensualité. La jeune fille avait quitté le collège français après avoir obtenu son brevet. Elle était fière et passée dans sa famille pour celle qui avait le savoir des étrangers. Il lui arrivait souvent de faire fonction d'écrivaine publique. Elle rédigeait aussi bien des lettres d'amour de femmes abandonnées par des légionnaires que des plaintes envoyées à l'administration coloniale. Entre ses bras, Amir perdait la tête. Elle lui réservait des acrobaties sexuelles qui le comblaient et le vidaient de son énergie. Chaque fois qu'il achevait ses prières quotidiennes, il levait les mains jointes au ciel et remerciait Dieu de lui avoir fait connaître cette femme qui lui donnait un plaisir qu'il n'avait jamais connu auparavant, qu'il ne retrouvait chez aucune autre femme. Mais il n'y avait pas que ces moments de jouissance. Amir se laissait parfois aller à un peu de romantisme, appris chez les poètes arabes et perses. Il lui arrivait de réciter des vers sur un ton grand.
grandiloquent. Cela ne faisait rien. Elle ne répondait rien. Se laissait aimer. Et faisait tout pour le bonheur de son homme. Ils étaient heureux. Et Amir ne comprenait pas pourquoi à Fès, les relations étaient compliquées. Une année, il voulut l'emmener avec lui en pèlerinage à la Mecque. Mais il découvrit ce jour-là qu'elle n'était pas musulmane. Que sa religion n'avait rien à voir avec le monothéisme. Et qu'au fond, elle n'en revendiquait aucune. Quand elle avait envie de prier, elle allait passer la nuit sous l'arbre le plus ancien, le plus grand et le plus beau à la sortie de la ville. C'était un arbre majestueux qu'aucun entrepreneur de travaux publics n'avait jamais osé toucher. Même les Français qui avaient dirigé les travaux avaient dû le contourner. Pour tracer l'ordre, Nabou caressait son écorce, lui parlait, et se sentait bien car elle était persuadée que les ancêtres y avaient laissé une partie de leur âme. Cet arbre était son dieu, son refuge, sa chose sacrée. Elle l'appelait Hadji Baba. Son ombre l'apaisait. Sa prestance et son très grand âge la rassuraient. Elle aimait se confier à lui dans la solitude. Au moment où le soleil disparaissait, laissant place à un air trempé dans une grande bassine de poudre grise, bleu argenté. C'était selon elle le moment propice pour mettre sa joue contre l'une de ses branches et lui parler en wolof, sa langue maternelle. Ah, mon maître, mon homme, le seul prince qui me comble et me rend vraiment belle. Quand Amir est là, je suis totalement à lui. Personne n'ose m'approcher. J'accroche le drapeau marocain sur le toit et je fais brûler de l'encens du paradis. Tout le monde sait que mon homme est arrivé. Tes voisines viennent pour me souhaiter du bonheur et de la prospérité, même si elles sont jalouses. Elles ne me font pas de mal. Je me prépare durant 2 jours pour l'accueillir et me donne corps et âme. Je change de comportement. Je veux dire, je me sens devenir une autre femme. Je lui appartiens et j'aime ce sentiment d'être à lui, entièrement à lui. Peut-être que cette situation ne peut pas durer. Que la morale n'est pas contente. Je me retrouve aujourd'hui à tes pieds, accroché à tes racines. Hadji Baba, je suis faible. Et je me rends à ta volonté. À chacune de ces visites, Amir m'emmène chez des scribes à la mosquée. Il rédige un contrat de mariage provisoire. Je crois que ça s'appelle le mariage de plaisir. Amir tient à être en règle avec sa religion. Je n'ai rien à dire. Il me gâte. Et je m'occupe très bien de lui. Un jour, je lui ai demandé pourquoi notre mariage est de plaisir. L'autre, celui avec votre femme au Maroc, est un mariage comment? Il m'a regardé et m'a dit, là-bas c'est la tradition, ici c'est la liberté. Thank you.
frais dans ses cheveux. Elle se retourna et vit Amir, tout de blanc vêtu, lui tendre les bras. Plus de peur, plus de désordre. Elle se précipita vers lui, mit sa tête au creux de son épaule et se frotta contre lui. Elle sentit son membre se raidir. Elle le devança et lui demanda de la rejoindre juste après son bain. Elle voulait se donner entièrement à son homme, sans aucune réserve ni tabou, comme si c'était sa dernière nuit. Sa peau luisait sous la lumière de la lune. Elle s'était parfumée avec l'essence d'une fleur rare qu'elle appelait désir. Nue sous le voile, elle attendait son maître. Plus d'orage, plus de nuages à l'horizon, apaisée et en même temps fiévreuse. Son corps était déjà traversé de frissons à l'idée du plaisir qu'elle allait donner et recevoir. Ça montait de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Elle sentait bon. Elle était en accord avec elle-même, rassurée, prête à tout partager. Amir, qui venait d'avoir 50 ans, était envahi par une envie, une force exceptionnelle. Lui aussi eut l'impression que cette nuit ne serait pas comme les autres, qu'elle serait même une nuit fatale, belle, énigmatique, sensuelle, folle, peut-être définitive. Il eut un instant peur. Puis chassa d'un revers de la main cette idée et ne vit que la coupe merveilleuse qui se dressait en face de lui, mettant en évidence la vulve rouge avec quelques poils de rue autour, comme les gardiens d'une vertu impossible. Son érection le surprit, car de toute sa vie, il n'avait jamais ressenti un désir d'une telle puissance que ce jour-là, face au corps de Nabou. Pas, et son corps bougeait de sorte à solliciter certaines caresses qu'Amir s'empressait d'exécuter pour la satisfaire. Aucun mouvement n'était déplacé ni désagréable. Nabou menait la danse avec une aisance inouïe, donnant du plaisir à l'infini et en recevant tout autant, sinon plus. Ils prirent ensuite tout leur temps pour faire l'amour longuement, repoussant le moment crucial de l'orgasme. Nabou jouit plusieurs fois, mais elle ne le fit pas savoir, afin que son homme conserve son érection le plus longtemps possible. Pour tenter de se maîtriser, il pensait à la femme blanche de laisser le plaisir. Et le fait de convoquer son image la calmait quelques jours. Et il repartait ensuite de plus belle dans l'extase que provoquait en lui si simplement cette superbe créature. Il la prenait dans des positions qu'il inventait. Le corps de Nabou, d'une souplesse magnifique, se donnait avec force et élégance aux fantaisies d'Amir. C'était comme si un être invisible leur dictait ce qu'il fallait faire et leur suggérait qu'ils étaient en train de vivre une expérience qu'il ne revivrait jamais. Et la voix disait, c'est votre nuit, unique, irréversible, une nuit généreusement accordée par la mort, qui veille à ce que votre plaisir se multiplie jusqu'à atteindre le sommet de la plus haute montagne, là où les saints et les fous se réunissent, pour dire la poésie la plus pure, la plus dépouillée, la plus puissante, indicible, impossible. Prémisse au dernier voyage, peut-être le plus merveilleux, ou alors le plus terrible. Ils s'endormirent enlacés comme des enfants. C'était une belle fatigue, celle d'une nuit inoubliable. Amine, heureux, comblé par cette femme si jeune, si intelligente, si belle, et ce fut la réflexion qu'il n'avait pas connu ce sentiment avec la Fatma. Leur mariage s'était déroulé selon les règles de la tradition. Ils ne s'étaient pas choisis. Et malgré cela, ils devaient s'aimer. C'est-à-dire faire ce que la famille attendait d'eux, des enfants. Amir n'avait pas dérogé à cette règle. Son épouse était tombée enceinte au premier trimestre de leur union.
Y avait-il de l'amour entre eux? On ne se posait pas la question. Les apparences étaient sombres. Le commerce d'Amir se portait bien. Et là, la Fatma régnait en maîtresse incontestée sur la maison et sur l'éducation des enfants. On ne ratait aucune fête, aucune invitation familiale. La tradition était parfaitement respectée. Rien ne devait contrevenir à cette organisation établie depuis des siècles. Dans cette ville de Fès, renfermée sur elle-même, creusée de la civilisation arabo-andalouse, on ne plaisantait pas avec les convenances. Amir était le mari de Lala Fatma. Lala Fatma était sa femme. Ce lien ne souffrait aucune discussion. Pour la première fois, Amir pensa qu'il y avait peut-être une autre manière de vivre. Il s'aperçut que les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de Lala Fatma étaient très différents de ceux qu'il ressentait dans les bras de Nabou. Sa vie lui sembla tout à coup bouleversée. Il décida de ne pas freiner ses élans et sa passion. Amir amoureux. Ses amis du Diwan se seraient moqués de lui s'il leur avait parlé de cette sensation qu'il éprouvait pour la première fois. Il n'avait jamais dit « je t'aime » à aucune femme, ni offert des fleurs, ou exprimé ses sentiments. Ainsi le voulait son éducation stricte. On n'exhibait pas ses faiblesses devant une femme. Être amoureux était considéré comme une faiblesse, une sorte d'anomalie. Nabou ne voulait pas s'imposer à Amir. Mais elle aurait bien aimé qu'il lui propose de le suivre à Fès. Son regard était très expressif. Et Amir avait appris à y lire ce qu'elle ne disait pas. Pour la première fois, Nabou remarquait combien ses sentiments pour lui étaient forts. Dès qu'elle l'apercevait, elle sentait les battements de son cœur s'accélérer. Mais aucun d'entre eux ne mettait de mots sur cet amour. Lui aussi, pour la première fois, se sentait submergé par un sentiment qui allait bien au-delà du mariage de plaisir. Mais cette fois-ci, les choses avaient pris un tournant qu'il n'avait pas prévu ni vu venir. Un homme de sa génération et de sa classe sociale, la bourgeoisie facile, ne s'était jamais avoué amoureux. La vie de Nabou dépendait à présent d'Amir. Elle avait trop d'amour propre pour demander de l'aide à son homme. Elle savait qu'il était bon et généreux, mais comptait sur son intelligence et sur son intuition. Elle avait entendu ce que certaines femmes racontaient dans le hammam à propos de ce qu'enduraient celles qui avaient suivi des commerçants faciles. Elle parlait d'esclavage sexuel, d'humiliation, de mépris. Elle avait du mal à imaginer Amir se conduire de la sorte avec elle. Amir était un homme pieux et apparemment sans préjugés. Elle avait confiance en lui. Même si elle ne l'avait jamais interrogé sur sa vie, elle savait qu'il était marié et qu'il avait 4 enfants. Karim étant son dernier. Les ancêtres l'avaient mis en garde contre les hommes en général et les blancs en particulier. Contre leur rapacité, leur hypocrisie, leur arrogance. Mais jamais elle n'eut l'impression qu'il lui parlait d'Amir. Elle ne lui connaissait pas ses défauts. Il n'était pas parfait. Mais Nabou croyait en ses intuitions. Elle l'aurait suivi les yeux fermés jusqu'au bout du monde. Elle l'aimait.
À Place Bâtard, non loin d'une entrée secondaire de la maison qui conduisait directement à la Bastille. Le chauffeur donna un coup d'épaule dans la porte qui s'ouvrit. Il faisait beau, les arbres étaient en fleurs, dans la Bastille tout était en ordre. On aurait dit que quelqu'un l'avait préparé. Nabou fut installé, Amir lui remit un panier de provisions, lui demanda de ne pas sortir et de n'ouvrir à personne. Fatiguée par le voyage, Nabou tombait de sommeil. Elle se mit au lit et s'endormit immédiatement. Lala Fatma avait posté une domestique sur la terrasse pour qu'elle la prévienne et qu'elle verrait son maître s'approcher. La veille, un messager était venu lui dire qu'il n'allait pas tarder à entrer dans la ville. Amir et son fils entendirent des youyous de bienvenue, sentirent le parfum du paradis. Karim fit une grimace, il n'aimait pas cet ensemble, qu'on utilisait aussi bien les jours de fête que les jours de funérailles. Mais aujourd'hui, c'était la fête. Lala Fatma était belle dans son caftan brodé de fil d'or. À peine maquillée, elle attendait avec sérénité et grâce son mari parti voici plus de 2 mois. Karim lui baisa les mains et se blottit entre ses bras. Elle s'approcha de son mari, prit sa main droite et la baisa. C'était la tradition. Il lui mit la main sur la tête comme s'il la bénissait. Elle se pencha vers lui et fit mine de déposer un baiser sur son épaule. Les enfants souhaitèrent la bienvenue à leur père. De loin, Batoul et les domestiques se baissèrent pour exprimer leurs vœux de bonheur. Le dîner était prêt. Lala Fatma avait invité quelques membres de la famille. C'était le retour du Seigneur. Cela méritait une réception. J'ai contracté un mariage de moutarde.
Un mariage de plaisir avec une jeune femme qui s'appelle Nabou. C'est un joli prénom, tu ne trouves pas? Que dire, mon homme? Mon cher homme. Dieu vous a donné à vous les hommes la possibilité d'épouser jusqu'à 4 femmes. Je ne vais pas aller contre la volonté de Dieu. Je pourrais m'énerver, casser des verres, crier au scandale, pleurer, et même partir chez mes parents. Mais je suis à toi, très attaché à toi, et je ne veux pas te perdre. Je ferai comme toutes les femmes contraintes à vivre avec d'autres épouses, à condition que jamais elles ne me manquent de respect. Je suis ta femme légitime. J'ai droit au respect absolu et que personne ne vienne faire des comparaisons entre elle et moi. J'ai ma fierté. Mais je suis une bonne musulmane, j'obéis à Dieu, je t'appartiens à toutes celles qui se sont révoltées en tout perdu. Perdu leur foyer, leurs enfants, leur honneur. Je ne suis pas allé à l'école, mais je connais par cœur quelques versets du Coran et je suis ses préceptes et ses lois. Je vais prier Dieu de nous préserver de cette étrangère et de protéger notre famille. J'espère qu'elle restera une étrangère, n'est-ce pas? Amir comprit qu'il devait composer et procéder par étapes, pas de précipitation, pas d'improvisation, ni de colère. Il avait de plus en plus envie de voir Nabou. Quand il pensait à elle, son cœur se mettait à battre plus vite et il se sentait à la fois excité et troublé. Tout cela était encore nouveau pour lui. Lorsqu'il couchait avec l'épouse blanche, c'était l'image et le corps de Nabou qui s'imposaient à son imagination. Il était obsédé par elle, rêvait d'elle tout le temps. La Fatma s'en rendit compte. Un soir, elle le repoussa, si violemment qu'il tomba du lit, et sa rage était brutale. Mais il fallait sauver les apparences. Elle se refusa à lui durant une quinzaine de nuits. Amir était malheureux. Il n'avait pas accès à Nabou car elle dormait avec les autres domestiques et pas question d'entrer dans la cuisine. De toute façon, c'était un lieu que l'homme ne fréquentait jamais. Il fallait trouver un stratagème pour que Nabou ait un lieu à elle. Pas forcément la chambre d'amis, mais au moins une pièce où il serait en paix, où il pourrait la rejoindre. Négocier avec la Fatma, difficile. La mettre devant le fait accompli, ce n'est pas si simple. Il alla demander conseil à Moulay Ahmad, qui avait son bureau à l'université Al-Warawi. Son avis était autorisé et personne ne doutait de sa science et de ses compétences. Le mariage, un mariage de Mouta. Non, ce n'est pas croyable. Elle est chez toi et d'après ce que tu me dis, elle ne va pas repartir en Afrique. Il faut régulariser d'un point de vue religieux ta situation. Hors de question d'en faire une esclave sexuelle ou une domestique. Elle a été ta femme durant quelques mois, tu l'as fait venir, tu lui dois respect. Tu as des devoirs envers elle. Et tu dois lui donner ses droits. Dieu est clément, mais il faut être juste. Il a la Fatma. Mais depuis quand ce sont les femmes qui décident dans notre société? Mais c'est une question que tu dois régler au plus vite. Ne reste pas dans le haram, dans le péché. Dieu autorise l'homme à avoir jusqu'à 4 femmes à condition. Et je le répète, à condition de les aimer et de les traiter équitablement. Équitablement! En es-tu capable? Je vais essayer. En quittant la Warawi, Amir était soulagé et décidé à épouser Nabou. Il lui restait le plus dur. L'annonce à l'épouse blanche. Il n'eut pas à la faire. Ce fut elle qui, probablement avertie par un des enfants, prit les devants. Tu as fait entrer dans cette maison le malheur, le péché et la discorde. Tu veux épouser une domestique, une négresse, dont la couleur de peau trahit sa noirceur. Dame ! La Temtam, je me le demande. Enfin, tu es décevant. Fais ce que tu veux. Moi, je m'occuperai de l'éducation de mes enfants, je les tiendrai loin de cette chose malfaisante, malodorante. Tu n'es ni le premier ni le dernier à mettre en péril toute une famille à cause d'une négresse alliée de Satan. Dieu est grand. Les choses essentielles étaient dites.
Amir ne répondit rien. Changea de pied là-bas et repartit. Il apprit que Lala Fatma était partie chez ses parents. Il n'était pas question d'aller la chercher. La tradition voulait que le père ramène sa fille au foyer conjugal. Ce fut le cas. Quelques jours plus tard, pâle et fatiguée, elle marchait difficilement et s'enferma aussitôt dans la chambre qu'elle verrouilla. Amir retourna voir Mouléa. Il avait besoin de son soutien et de ses conseils. Celui-ci fut étonné par son manque de fermeté. Mais sois un homme, sois fort, ne te laisse pas impressionner par les ruses des femmes. Comme dit l'islam, leur capacité de nuisance est infinie. Alors fais ce que tu as à faire et ne reviens plus dans cet état chancelant, n'hésitant pas à la chance d'avoir les moyens physiques et matériels pour satisfaire quatre femmes. N'aie plus d'hésitation, épouse la noire et vis en paix. De retour à la maison, Amir réunit de nouveau ses quatre enfants, Mohamed, Lélé, Aziz, Fatiha et Karim, et il leur exposa plus précisément son projet. Comme je vous l'ai annoncé l'autre jour, j'ai décidé d'épouser Nabou. La jeune femme qui est venue avec moi d'Afrique, c'est une personne bonne qui me rend heureux. En aucun cas ce mariage n'a été décidé pour faire du mal à notre mère. Notre religion est ainsi, je ne peux pas vivre dans le péché. J'ai déjà contracté avec cette femme un mariage temporaire. Aujourd'hui, elle vit chez nous. Et je ferai d'elle ma deuxième épouse, selon la loi et la sunna de notre prophète. Que le salut de Dieu soit sur lui. Je tenais à vous en informer. Pour le reste, rien ne change. Silence. Pas un mot, pas une réaction. Ils se levèrent l'un après l'autre. Seul Karim vint embrasser son père. Le vendredi d'après, deux adous, l'homme de religion, sorte de notaire, arrivèrent à la maison où Amir, tout de blanc vêtu, les attendait. Il devait inscrire sur l'acte où figurait là la Fatma, le nouveau mariage avec le Nabou Diallo de Atiès, Sénégal. La cérémonie fut brève. Nabou, elle aussi habillée de blanc, apposa sa signature sur l'acte et une dot
lui fut remise avec des tissus et quelques bijoux en or. Une prière fut dite. Un grand silence régnait dans la cour où le petit jet d'eau d'une fontaine centrale faisait un bruit d'oiseaux. Elle n'avait jamais vu un tel cas, ni même
imaginer que cela était possible, et dit, c'est un signe de Dieu, une bénédiction, un double capital. Amir, trop ému, dit simplement, Hassan et Hossein. Je les appellerai Hassan et Hossein. C'est la tradition. Et il consulta de nouveau Moulay Harman sur ce phénomène. Normalement, tes enfants devraient être café au lait. Et là, on a d'un côté du café noir et de l'autre du lait. Bah, tu as ses raisons. Accepte ce don de Dieu et dis-toi que c'est un signe de sa bonté. Dieu a créé une humanité diverse pour que les uns et les autres se connaissent et s'entraînent. Il ne fait pas de différence entre le blanc et le noir, entre l'étranger et l'autochtone, entre ceux d'ici et ceux de là-bas. C'est un signe. Estime-toi privilégié. Tu as de la chance. Et ne la gaspille pas dans des choses inutiles. Donne-leur une bonne éducation dans le sens de notre foi et de notre religion. Depuis la naissance des jumeaux, Amir avait pris conscience d'une réalité qu'il voyait de loin jusque-là. Parce qu'elle ne le concernait pas. Et le racisme était bien installé dans les mentalités de tous, des riches comme des pauvres, des gens de Fès comme ceux des autres villes. Mais pourtant, la population marocaine n'était pas entièrement blanche. Il y avait certes des descendants d'esclaves qui vivaient, notamment dans le sud, et qui occupaient des postes subalternes. Les plus méritants étaient choisis pour faire partie de la garde royale. Après le mariage de Fatima, Mohamed, le fils aîné, ainsi qu'Aziz, partirent étudier au Caire, après avoir obtenu une bourse d'une confrérie musulmane. Le père n'y avait vu aucun danger, croyant la bonté de ces musulmans qui déjà agissaient dans l'ombre. Loin de lui, l'idée d'avoir livré ses enfants à un mouvement politique qui, en Égypte, militait contre la modernité. Il ne restait à la maison que Karim, qui s'occupait avec amour de ses deux petits frères, tout en passant pas mal de temps sur sa machine à écrire, ou comme il le disait, il tenait son journal. Amir avait de plus en plus de mal avec son commerce. Les grèves fréquentes, les manifestations décourageaient les clients. Il en parlait avec Brahim, son frère aîné, qui avait quitté Fès au début des années 40, pour s'installer à Tanger, où il avait ouvert plusieurs bureaux de chambre. Après réflexion, il encouragea Amir à rejoindre dans la ville du Détroit qui était prospère et florissante. Lala Fatma mourut dans son sommeil. Une nuit où une forte tempête s'abattit sur Fès et faillit tout emporter sur son passage. On dut attendre la fin des pluies diluviennes pour l'enterrer et recevoir les gens venus présenter leur Les 3 jours consacrés aux funérailles semblaient interminables. Il fallut nourrir les gens, les loger et répondre à ceux qui posaient des questions déplacées sur Naboo. C'est la tourelle domestique, disaient les uns, sachant pertinemment qui elle était. D'autres n'y allaient pas par 4 chemins et l'accusaient d'avoir précipité la mort de Lala Fatma. Cette méchanceté était gratuite, Dieu avait créé l'humanité en blanc, les noirs et les erreurs de la nature, qui n'avait rien à faire dans les grandes familles, élu de Dieu et bien aimé par son prophète. Voilà ce qu'on murmurait pendant ces journées de deuil, qui rassemblèrent une population hétéroclite. Thank you.
Après la cérémonie du 40e jour anniversaire de la mort de Lala Fatma, Amir décida de faire un voyage à Tanger pour repérer ce qu'il pouvait y faire et voir dans quelles conditions il pourrait s'y installer avec sa femme et ses enfants. Son frère lui conseilla de ne pas perdre de temps et de vite aller chercher sa famille. Les affaires semblaient prospérer, il ne fallait pas y regarder trop près. Ville frontière, Tanger ne dérogeait pas à la règle. Tout y était possible. Thank you.
Musique et mots et littérature. C'est super. Merci.